Salut tout le monde. Bienvenue, on est mercredi, il est 17h, c'est parti pour un nouveau direct. On est en pleine forme. Non, toi t'as une petite mine quand même. Oui, ce que je vous annonce d'ailleurs, j'ai une petite angine, mais j'allais pas te laisser tout seul, d'autant plus que Gwendal... Toute seule, excuse-moi. D'autant plus que Gwendal n'est pas là, il est à l'hôpital Robert Debré, on l'embrasse fort auprès des enfants malades. Et que Johan non plus. Johan, il est à boire du chocolat chaud, mais non, plutôt à manger de la raclette à la montagne. Il est en tournage. Il est en tournage, à la montagne néanmoins. Oui. Voilà, excuse-moi, on n'est pas dans un studio qui fait très, où il fait très chaud dans la banlieue parisienne. Mais on est bien ici. Regarde, il y a plein de couleurs et tout. Avec Nina, on voulait vous remercier parce que ça fait 3-4 émissions que vous êtes très très nombreux à regarder. Les replays marchent très très bien, donc on voudrait vous remercier de votre fidélité, vraiment ça nous touche beaucoup et on lit tous vos commentaires. Oui, d'ailleurs. Et aujourd'hui du coup c'est une émission spéciale, on a un invité, mais un invité T'as pas oublié spécial. De lancer Instagram et Snapchat? T'as vu le lancement que j'allais te faire là? Ah, pour les commentaires, exact. Et ben, alors attends, tac, avec Nina, on lit tous vos commentaires. Boum. Et d'ailleurs vous pouvez continuer à nous envoyer des commentaires sur Snapchat, sur Instagram, sur YouTube. Et par contre j'aimerais que tu rappelles ça parce que alors là je tout sais à que fait. Gulive officiel sur Snapchat, Gulive officiel sur Instagram. Voilà. Et on vous attend évidemment nombreux, on lit tous vos commentaires. Aujourd'hui, une émission musicale, ça va mixer, ça va swinguer. Ça va swinguer. Aujourd'hui, on reçoit un DJ qui est tout jeune, mais franchement plein très, très de... jeune, il a 15 ans. Il a 15 ans, mais il est vraiment plein de talent. Et du coup, il s'appelle Gillo, pardon, j'en perds mes mots. C'est pas la chanteuse, c'est le DJ. Le DJ Gillo, évidemment. Et je vous propose qu'on le découvre en musique, et puis après, on se retrouve après pour un petit interview. C'est parti pour un set. C'est parti. Du Gulive.
live. 3 minutes 30 de mix et de set. Alors assieds-toi, on va apprendre à te connaître. Bienvenue, bienvenue dans le GULive et merci d'être avec nous. Bah, merci à vous. Comment ça va? 15 ans, t'es tellement jeune. Ouais, ça va nickel. T'es content d'être là? Je suis super content, merci pour l'invitation. Nous, on est super content de t'avoir. Avec grand plaisir. Franchement, c'est hyper impressionnant quand même. Hein. Tu te débrouilles super bien. Bah, merci, c'est très gentil. C'est vraiment impressionnant, tu te débrouilles super bien. Bah, ouais, bah oui, Nina. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, moi, ça m'intrigue en fait. Je comprends pas, il y a tellement de boutons, j'arrive pas à comprendre comment on peut faire ça. Sérieusement. Non mais moi je suis classique, tu vois, t'es surtout très blonde. Non. Alors là non, je suis désolée, moi je joue du piano donc debout. Pardon. Bon, de toute façon, c'est pas nous que ça concerne. Toi, on va apprendre à te découvrir, hein, puisque il y a en plus des gens connectés là qui sont prêts à te poser plein de questions. Donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, comment tu en es arrivé jusque là? D'accord. Alors j'ai commencé il y a 3-4 ans à peu près. 3-4 ans, donc tu avais 11 ans. Plus 12 ans, j'ai découvert un peu à 11 ans, mais j'ai vraiment commencé à 12 ans à mixer. Tout simplement parce qu'en fait, quand j'étais petit, mon père organisait des soirées dans mon garage, en fait, des soirées familiales, des cousinades. Big up. Voilà, donc en fait, c'est moi qui passais les CD avec la vieille chaîne Hi-Fi et qui parlait au micro. Faisais l'ambiance, quoi. C'est ça, j'essayais. depuis tout petit. Et puis en fait, un jour, j'ai fait les 20 ans de mon cousin. Et juste avec des téléphones, j'ai fait la musique devant pas mal de gens, des jeunes en plus, qui avaient l'habitude de sortir en boîte. Et donc toute la nuit, on a dansé. Et ma marraine et mon oncle qui étaient présents ce soir-là, se sont dû se dire, ça doit lui plaire d'animer. Bon, on va lui offrir un petit contrôleur, un petit truc de DJ. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis donc ensuite, voilà, j'ai fait quelques vidéos sur... Tu peux quoi? Oui, c'est notre Paul qui nous parle, c'est notre. Ne t'inquiète pas. Donc en plus, ensuite j'ai fait quelques vidéos. Et puis voilà, ensuite j'étais contacté par Incroyable Talent pour faire l'émission. Ouais. Et donc voilà, c'est. Donc ça, comme ça. C'est finalement, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait finalement. Tu sais pourquoi? Pas de raison, non. Pas je sais pas, j'ai pas. Mais est-ce que tu aimerais participer du coup à l'émission? Oui, s'il me recontacte, pas de souci. Et du coup, est-ce que tu as des projets à venir? Est-ce qu'on peut te retrouver sur scène? Comment ça Alors, se passe, déjà, les vidéos? Vous pouvez retrouver donc toujours mes vidéos donc sur ma page Facebook Jlow, J-L-O-W. Donc le lien, c'est facebook.com/jlowofficiel si vous voulez taper directement. Donc continuez les vidéos suite à ma troisième vidéo qui a plu en tout cas à pas mal de gens. Ouais, ça fait quand même qui a été relayé. Un gros buzz. Ouais, j'aurais pas la prétention de dire ça, mais c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de commentaires. Donc apparemment ça plaît, le concept de faire un mix en 3 minutes, parce qu'à la base un mix ça se fait sur plusieurs heures. Bien sûr. Donc ça vide de rester pendant 3 heures comme ça. Donc apparemment ça plaît, donc oui, retrouver des vidéos. Là je suis en studio actuellement aussi, je travaille la production, donc pourquoi pas un titre à venir bientôt, sûrement début 2017. Album et compagnie, tout ça. Ouais. Par la suite, ouais, si ça. Ça serait top. Mmh. Ça serait top. Et du coup, t'aimerais quoi après, travailler dans les boîtes de nuit, DJ en boîte de nuit, faire des concerts un peu? On t'espère la carrière de David Guetta, je suppose que c'est ça que carrément, ouais, c'est bien l'objectif sûr. Ultime. C'est un exemple, donc forcément. Donc oui, je joue en club, je joue en festival, j'adore les festivals, donc j'y regarde sur YouTube parce que je peux pas y aller. Et si vous voulez d'ailleurs nous dire dans quel club vous avez envie, quand il sera majeur, évidemment, oui, vous aurez envie de voir un accès. Et que vous aussi, vous serez majeur aussi. Et que vous aussi, vous serez... Oui, il y a des majeurs qui nous regardent, Nina. Oui, bien sûr, il y a des majeurs. C'est vrai, pas en majorité. Si vous avez envie de le voir dans un club près de chez vous, snappez-le nous. Alors c'est simple, Snapchat, Gulai, tiret officiel, dites-nous d'où vous venez, dites-nous dans quel club vous voulez le voir et puis on transmettra sur Snapchat donc. Est-ce que par contre tu nous disais que tu étais super actif sur les réseaux sociaux, ouais. Sur tout ce qui est donc là sur le replay ce soir, bien sûr. Abonne-toi donc sur ta chaîne. Est-ce que tu peux nous rappeler tes Snapchat, Instagram, Facebook? Bien sûr, donc facebook.com/jlow officiel. Facebook.com/jlow. Donc voilà, le nom de la page c'est Jlow. J-L-O-W. Très bien. Et officiel? Officiel, le nom c'est Jlow, mais si vous voulez le lien c'est facebook.com/jlow officiel si vous voulez écrire directement. Snapchat Jlow officiel, Instagram Jlow officiel. Et chaîne YouTube aussi, youtube.com/jlowofficiel. Et on retrouve quoi dessus? On retrouve tes mix? Est-ce qu'on retrouve aussi ce que t'aimes bien? Est-ce qu'on retrouve des choses de ta vie? Qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut trouver tout, parce que j'aime un petit peu partager. Tu me partages pas mal. Voilà, mais pour l'instant, on retrouve surtout mes trois premières vidéos que j'ai sorties récemment, dont celle d'Incroyable Talent, justement. Et donc, on peut retrouver ces vidéos, quelques posts, voilà, les partages que j'ai eu aussi de journaux, de choses comme ça. Et du coup, je rebondis sur la vidéo où t'as fait le mix avec Incroyable Talent. Tu l'as fait quand? Tu l'as fait après avoir été contacté par l'émission? Oui, voilà tout ça. En fait, donc je devais faire partie de l'émission, mais contacté pour que je fasse l'émission cette année. D'accord. Finalement, ça s'est pas fait. Et je ne sais pas pourquoi. Tu aurais aimé, toi, participer au J'aurais, oui, bien sûr, totalement. Message passé, si. S'il te rappelle, j'aimerais bien. Ouais, bien sûr. Je suis ouvert.
Et puis donc en fait, une fois que donc j'ai eu cette réponse, il y a la vidéo de la bande-annonce qui est sortie d'Incroyable Talent de la nouvelle saison. Ils avaient sorti une petite vidéo de 3 minutes qui était d'ailleurs assez marrante, qui m'a fait rire. Et je me suis dit tiens, je vais reprendre les voix des jurys. Ça n'a jamais été fait, reprendre des voix, voilà. Et donc en fait, je me suis dit je vais les reprendre et les mettre dans un mix de 3 minutes. Parce que faut savoir que normalement un mix ça se fait sur plusieurs heures. Le rôle d'un DJ c'est de faire danser les gens toute une soirée. Oui, bien sûr. Donc le concept mix juste de 3 minutes, ça va que ça soit rapide, un petit peu dynamique. Donc j'ai eu cette idée et puis après en rajoutant les voix par-dessus, en scratchant. Et ça a fait un gros buzz. Et ça a plutôt bien marché. Ça a bien marché. Je suis super content. Parce que là, du coup, t'étais à combien tu m'as dit tout à l'heure ? 500 000 vues en tout, ouais. Oh la vache ! Oui, parce que t'es suivi par combien de personnes sur ta chaîne YouTube ? Sur ma chaîne, je sais pas trop sur ma chaîne. Quelques centaines, pas énormément. Et bah, mais sur le chiffre, avec le replay de ce soir, chiffre, Nina se met toute nue mercredi prochain s'il atteint 2000. Mais, alors, non, déjà, toi, tu t'es mis tout nu. Chut, faut pas le dire. On sait pas trop. On sait pas trop. Tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission, évidemment. On va relever un petit challenge avec toi juste après. Avec plaisir. Challenge qui sont prêts d'ailleurs. Voilà. Oui, oui. Je remercie les quelques personnes qui sont restées connectées. Vous me dites que ça bug, évidemment. Le live sera disponible en entier en replay en haute qualité dès ce soir. Mais merci à tous ceux qui restent ici avec nous. On sait pas trop ce qui se passe. Il y a un problème de connexion. Je vais pas vous mentir. Ici, on ment pas. Et puis, Joanne est à la montagne. Donc, je vois que vous l'appelez à l'aide. Mais Joanne est à la montagne. On l'embrasse d'ailleurs très fort. On a fait un challenge d'ailleurs avec Joanne la semaine dernière. On vous l'a diffusé ce week-end. On voulait absolument la mettre dans l'émission. C'est un grand moment de dignité pour moi. Et tout à l'heure, on en regardera également avec Nina. Oui. Alors voilà ce que ça donne entre deux émissions avec Joanne ici au studio. C'est le challenge, c'est maintenant. Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui avec Kevin, attention, on va mettre le feu sur le plateau. On s'est lancé un petit défi, un petit challenge. Tu m'as lancé un petit défi. Que j'ai vu sur la chaîne de David Lafarge et de notre pote Laurent aussi. Il a fait ça avec sa fiancée et c'est plutôt drôle. L'idée c'est le pince à linge challenge. D'accord. L'idée en fait c'est en une minute on va devoir se mettre le plus grand nombre de pinces à linge sur le visage. Celui qui perd, c'est-à-dire que celui qui a le moins de pinces à linge sur le visage au bout d'une minute, c'est simple, va prendre une douche. Alors ça c'est Game Mix 13. C'est Momo Abdel et sa copine qui l'ont fait. Je rajouterai, juste pour le plaisir, dans la mixture, donc on aura du Coca-Cola, une douche, et aussi de l'Hannibal Mammouth. C'est ma sauce préférée, hein, vous l'avez vu dans tous les challenges qu'on fait un petit peu dans l'émission. C'est que je bois tout le temps. Là. C'est ça, c'est le Hannibal Mammouth. Sens-moi ça. Non, je l'ai déjà bu beaucoup. Alors, est-ce que t'es prêt? Attends, les règles. Sur n'importe quelle partie, d'accord. Ouais. De la tête. Oreilles, cheveux. Pas casquette, pas cheveux, visage. D'accord. Et on en a pour une minute. Alors on passe au bonjour d'ailleurs à nos youtubeurs qu'on adore, à David Lafarge. Yes. Bon, alors attention. Je vais prendre le chronomètre. Donc on est bien d'accord que c'est une minute. Tiens, prends ça. Oh, tu vas voir, ça fait mal. Bon bah vas-y, c'est toi qui l'as lancé. Je me marre déjà parce que j'imagine la tête qu'on va voir à la fin. Allez, attention, 3, 2, 1 et top, c'est parti. Oh la vache, putain, le fond mal celle-là. Dommage. Attends, j'ai les semblés. C'est trop mal ça. Alors ça, en fait, j'ai pas pris le plus simple au début, quoi. Je tiens pas là. J'en pleure. Attends. Je rajoute. Je rajoute 30 secondes. Non, ok. Si je rajoute 30 secondes. Non, je veux plus. Rien, j'en pleure. Oh la vache. Ça me fait des marques partout en plus. C'est bon, je prends la douche. Vache. Attends, j'en reviens. Attends. Merde. Perdu par quoi faire. J'étais bien parti. Trois. Aïe, 4, 5, oh ça rigole. Oh la vache, ta gueule. 7, oh, c'est drôle. 7, je pouvais plus. 10, regardez, j'en pleure les gars. Attends, c'est que ça fait 11, vraiment mal. Le mec est un génie. 12, oh la tête que j'ai. 14, 15 et 16. Et toi? Regarde.
Mais pourquoi ? Ah mais j'avais trop mal, je pleurais. Ah la vache, ça fait mal, le challenge complètement pourri, les gars. Si je suppose que je mets ma main dedans. Effectivement, c'est ce qu'on appelle une tollée pour Kevin. Et une fin de carrière pour la Donc, tu vas te mettre en maillot de bain et je vais te faire la douche Coca-Cola Hannibal. Allez, en maillot de bain. On va pas tout gâcher, hein, c'est important, on va mettre 50 centilitres de Coca, ce qui est déjà bien. Bon allez, un petit peu plus. Hein. Voilà. Ah. Ah, c'est dégueulasse. Bon, ok. Là, c'est vraiment pas bon, les gars. Voilà. Sauce Hannibal Coca-Cola. Ah, c'est le meilleur moment de la journée. Un petit douche Coca. Alors, je vais quand même t'éviter les cheveux parce que je sais que t'aimes ça. C'est pas grave, je vais me prendre une douche. Ok, d'accord. Allez, attention. Regarde la caméra, regarde, dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Salut les connectés. Alors attention, c'est parti pour la douche. Je vous rappelle que j'ai mis 75 centilitres pour le plaisir, 75 centilitres de Coca-Cola. Et j'ai rajouté également un petit peu de sauce Hannibal, la sauce des mammouths. Alors c'est un peu piquant, ça pue le prout, mais ça fait du bien. Kevin, t'es prêt? Bon. Ah, t'as perdu, hein? Ah, je vais aller tout doucement. Hein. Regardez-moi ces petits bouillards. Jacques, je te déteste. Ah, vache. Et voilà le travail, c'était le challenge, le plus gros défi, le challenge pince à linge, perdu par Kevin. Terminé. Eh, salut tout le monde, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez des défis à nous lancer, on est là, des challenges, n'importe quoi, on est à fond. Salut. Oh mon dieu. Ah là là, alors là, bravo, là je t'applaudis. Voilà donc ce que ça donnait, ça a été enregistré la semaine dernière. J'embrasse Jeanne qui est à la montagne, je te déteste. On dirait du vomi, quoi. Ah, on dirait, mais ça avait le goût, puis j'ai failli bien vomir après, d'ailleurs. Oh là on a là. Un autre challenge qui arrivera tout à l'heure, vous allez voir, avec Nina. Je ne sais pas qui a perdu de toi ou moi. On a enregistré ça également la semaine dernière. Évidemment, pour tous ceux qui êtes en direct, avec nous, le live sera disponible ce soir. On a eu un souci de connexion, mais le live a été enregistré. Il sera disponible en haute qualité ce soir. Il y a beaucoup de tes fans en plus qui sont en colère contre nous. Ce n'est pas de notre faute, hein, ni à Nina, ni à moi. On aimerait le voir et tout, mais. Voilà, donc ce sera disponible en replay ce soir. Bon, alors, nous on passe au challenge. On passe au challenge. On va faire un petit challenge. Bon, je te rassure, il n'y a pas de. Y a pas de non, rassure-toi, il n'y a pas de Rissa, il n'y a pas de Johan de toute façon ici, donc c'est qu'il n'y a pas ça. Tu seras pas nu dans une petite piscine où on te mettra du Harissa. Non, nous c'est beaucoup plus. Quel corps de rêve. Oui, quel corps, Apollon, dis donc. Hercule, quoi. Alors, donc du coup. Donc, ils nous ont préparé les petits challenges. Donc, je te laisse choisir. 7 second challenge. Challenge de 5-7 secondes. Challenge 7 secondes. Alors, tu devras choisir entre le numéro 1 et le numéro 17. Mais c'est notre ami qui le fait. Mais bien sûr. Ah oui, voilà. Bien sûr. Entre le 1 et 17. Alors, tu choisis entre 1 et 17 et moi, je vais te dire ce que tu devras faire. On fera tous. Numéro 1. T'as 7 secondes pour nous faire rire. Oh oui, ok. Attention, 3. Non, je sais pas. Ah, c'est horrible. Et t'as le droit d'être joker. Si vraiment t'aimes pas, t'as le droit à un joker. Bah, un joker. Ouais. Ouais, joker. Un autre numéro, là, t'es obligé, par contre. Ouais, alors là, par contre, c'est d'accord. Alors, quel numéro? N'importe... Entre... 1 et 17. Enfin, du coup, 2 et 17. 17. Ah, bah, 17. 17, ok. Tu as 7 secondes pour dire le nom des 7 nains de Blanche-Neige. Trop facile. Oula, je connais pas. Ok. Mais que t'es méchant. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. Pascal, Pierrot. Je sais pas, je les connais pas du tout. 1, 2, 3. Hatchoum, Simplet, Dormeur, Grincheux, Prof... Il en manque deux. Timide. Joyeux. Et joyeux. Voilà, c'est ça. Ah, je me sens bête. Non, mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est qu'on est tous dans notre tête. D'accord. C'était plus à toi de savoir que nous d'ailleurs, parce que je rappelle qu'on a 40 ans avec Nina. Ah, d'accord. Mais n'importe quoi, moi j'ai joué en plus dans Blanche-Neige, je connais. C'est vrai? Oui. Ah. J'ai fait un nain, j'ai fait Hatchoum. Voilà. Voilà, c'est une petite anecdote, j'ai fait un nain dans Blanche-Neige. Donc tout à l'heure, quand j'ai dit Nina, en fait, c'était pas une blague, t'as vraiment fait un nain, quoi. Non, mais je ne suis pas un nain de jardin, j'ai joué un nain de jardin. Très bien. T'as le droit à notre numéro. Vas-y. Entre? Bah, pareil. Entre 2 et 17? Ouais, c'est ça. D'accord. Enfin, 2 et 16, du coup. 2 et 16, ok. 2. 2. Tu as 7 secondes pour inventer une chanson sur ta vie. Ah, c'est drôle, ça. 7 secondes. Alors, 3, 2, 1, go! Je suis un DJ qui fait de la musique. Tout louloulou. Je sens ridicule. Je suis un DJ qui fait de la musique. Eh ben, ouais, ça va. Ok, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Nina. Vas-y, ok. J'ai cherché comme parole. Mais moi, j'ai vu les numéros. Nina, alors tu vas nous dire un numéro et c'est Nina qui va le faire. D'accord. Ah!
Ah, je pensais que c'était moi qui choisissais mon numéro. En plus, j'avais vu la liste. Ça va pas, non? 39. 9. Non, entre 9. Ah, 9. Pardon. Alors, c'est quoi? 9. Faire 10 pompes. Non, mais j'arrive pas. Mais c'est jamais le meilleur, celui-là. Allez, allez. Hop. Alors, attention. Arrêtez. Tu sais quoi? Je vais même passer derrière la caméra pour bien te cadrer. C'est pas gentil, hein. Franchement, mais je sais pas en faire 10. Est-ce que j'ai le droit d'être sur les genoux? Oui, oui, t'as le droit d'être sur les. Oui. C'est de la triche, ça. Non, allez, je suis une fille, d'accord? Attends, okay, attends. Non, mais ça va là. C'est difficile, hein. C'est bon? Allez, 3, 2, 1, go. Tu ne me touches pas. Allez, go. Non. 1, 2, arrête, Kevin. 4, arrête. 5, 6, arrête. 7, 8, arrête. 9, et 10. Bravo, Nina. Le truc horrible. Mon Dieu, quoi. Tu vas avoir des courbatures pendant 2 jours maintenant. Mais pas du tout, pas du tout. Ok, attends, vas-y, à toi. Attends. Ok. Alors, vas-y, choisis un numéro pour moi. Je rappelle que j'ai eu dans le gym. Oui, bah alors, aucune pitié. Mais comme c'est enregistré, de toute façon, aucune si je me bourre, hein, voilà. Alors, vas-y. 9, c'est d'après. Le numéro 9. Mais non, tu viens de le dire, c'était moi. Ah oui, c'était les pompes. Ah oui. Tu peux dire celui d'avant, par exemple. Je suis un boulet. 10. Non, 10, ah 10, il a dit 10. Il a dit 10. C'était pas celui d'avant, c'était vraiment dégueulasse. Mais c'était hyper drôle, celui d'avant, c'est faire le poirier. Faire le résumé. Faire le résumé de ton film. D'un film choisi. Ouais, oui. Bah, c'est à toi de me donner le nom du film. Mais il faut que je l'ai vu, quoi. Bah. En 7 secondes en plus. En 7 secondes. Alors, quel film? Là, je sais pas. En 7 secondes, résumer un film, moi avec mes phrases. Ah! Star Wars. Ah oui, alors c'est dur par contre. T'as 7 secondes, hein. 7 secondes. Pour résumer Star Wars en entier, là, franchement. C'est galère. Vas-y. 1, 2, 3, c'est parti. C'est l'histoire de la princesse Leia qui est très sexy dans une robe dans l'espace. Mais toi que... Bah écoute, j'ai 7 secondes, Nina. Il donne envie. Dans la même phrase, j'ai mis princesse. Ouais. J'ai mis sexy et j'ai mis espace. Si là, les garçons, ils vont pas regarder et les filles aussi, je comprends pas. Bah les filles, non, moi clairement, tu me. Bah princesse. Oui, si, princesse, c'est vrai. Attends, c'est vrai. Il y a 7 épisodes et t'as retenu que la princesse sexy. Oui, c'est ça. C'est assez hallucinant quand même. Non, mais je peux dire mon personnage préféré qui meurt aussi à la fin du dernier, mais il y a des gens qui l'ont pas vu, donc je vais pas le dire. Bah oui. Bah tu viens de le dire. Bah non, les gens ne savent pas qui est mon personnage préféré. Ou tout le monde sait qu'il y a un mort dans le dernier, dans le réveil de la force. D'ailleurs, Rogue One sort aujourd'hui. Oui, et que, si l'émission avait été en live, je vous aurais fait gagner des places pour aller voir Rogue One. Mais comme elle est enregistrée, Johan vous en ferait gagner samedi. D'ailleurs, est-ce que vous gagner des cadeaux? Mais comment? L'émission est enregistrée, Nina. Arrête. Mais elle est blonde. C'est pas possible. Eh, ça suffit, hein. Ça va, ok. Il y a des fois ça marche, donc. Bah ouais, mince. Bon bah la semaine prochaine alors. Alors comme la semaine prochaine on fera gagner des cadeaux. La semaine prochaine on fera gagner des cadeaux. Joanne fera gagner des places pour Rogue One samedi. Voilà, il a pas le oui. choix. Et pour remercier les gens qui nous regardent en replay ce soir et merci d'être d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous regarder en replay. À propos des 7 Second Challenge, là tu viens de les réaliser. Est-ce que toi en vidéo t'as été capable de réaliser le challenge de la bouffe de la semaine dernière? Oui, tu m'as défié. Tu m'as défié et là je pense que en fait je vais même pas parler, je vais juste laisser la vidéo parce qu'on va voir. Très bien, alors Paul, tu peux lancer ça, on va voir qui a gagné, de Nina ou de moi. Voilà. Bon alors, Nina, comme ça fait longtemps que t'es pas venue dans l'émission, je me suis dit qu'on allait mettre sur YouTube un petit challenge pour toi. Mais okay. Un défi où je participe aussi, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours la fille qui en prenne plein la figure. Ah bah oui, j'espère bien quand même. Donc du coup, comme tu le vois, comme le défi avec Moussa et Tombola avait sacrément bien marché cet été, exact. Je me suis dit qu'on allait faire la même chose, mais à la façon Kevin. Donc du coup, on a du coca, ouais. De la rissa, de la grenadine, de l'eau, du soja, de la confiture, on a des oranges, on a du nectar, on a du lait, on a du wasabi. Oh. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit shifumi, derrière les fagots, et puis qu'à chaque fois que l'un perd, eh bien, il choisit l'ingrédient, il le met. Et d'accord. À la fin, celui qui a tout perdu va devoir boire. Ok. Est-ce que ça te va? Ouais, ça me va très bien. Ah bah dis donc, aujourd'hui t'es très conciliante. Ouais, mais attends, parce que je vais gagner, donc c'est pour ça. Ah oui, très bien, okay. D'accord. C'est bon. Donc ben c'est pierre, feuille, papier, pierre feuille, papier, ciseaux. Pierre feuille. Fou, mi, oui, bim. C'est ça. Voilà. Okay. Et c'est pierre, papier, pas ciseaux. Pas de pluie ou j'en sais rien, de neige ou je sais pas. D'accord. De neige. Alors je sais pas comment avec mes doigts je peux faire la neige, Nina. Mais oui, très bien. Alors. Ok. 1, 2. Ah non, c'est chifou, mi, paf. Ok, pareil. Chifou, mi. Et voilà. Ah, alors, purée. Manina. Ah non, mais tu commences en plus. On va avoir le droit à un petit peu de wasabi. Hein. Allez. Ah. Stop, arrête. Non. Mais il est. Allez, attention. Ah. Ok. Attends, du coup, il y a le droit à pierre. Papier, ciseaux. Oui, mais c'est ça. Il n'y a rien de plus. Non, rien de plus. Ah bon. Non, c'est ce que je dis justement. Attention. Shifumi.
En plus, on avait dit rien de plus, donc deux fois plus d'ingrédients. Ok, je mets deux trucs. Je vais te mettre de l'harissa. Allez. Oh là 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 là. Parce que t'as voulu tricher en plus. Je me suis pris une douche à ça, okay. Quand même. Attends, il est ouvert ou pas? Il est pas ouvert, mais voilà, écoute. Ça me laisse le temps de réfléchir à mon deuxième ingrédient. Bon, harissa à wasabi, ça va être pas mal, je pense. Mmh. Allez. Ah t'as léché ton doigt, c'est ça? Mmh. Ok, donc il est où ton verre? Là. Là. Bah non, là. Mmh. Miam, miam, miam. Attends, attends. Donc, oh, je pue la harissa encore. Vu que t'as triché, t'as essayé de tricher. Ça va être du wasabi en plus. Hop. Mon dieu. Mmh. Ah, là, 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 pop, 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 pop. Allez, hop, allez, oh, attention. Là. Ok. 1, 2, 3. Shifumi. Oui, oui. Ok. Oh bah du sirop. Allez. Non mais ça va, radoucis-moi ça. Allez, allez, allez. Ça va être horrible. Mais tout est fermé en plus. Bah oui, évidemment, j'ai tout pris pour ce défi-là, pensant que j'allais perdre, gagner. Alors. Donc on va mettre du sirop. La prochaine fois, on fait un blind test, Nina. Oh, ça pue. Ah, puis tu m'as mis la moitié du verre en plus. Ok. Ok. Shifumi. Shifumi. Ouais. Ah du lait. Le truc horrible. Attends, on a dit trois fois de suite, si tu perds trois fois de suite. Ouais. Donc ça veut dire que... Bah, ça veut dire que là, je suis bon pour le boire. Là, t'es bon pour le boire, en fait, c'est ça. Ah oh génial. Mon dieu. Maman, ne regarde pas cette émission. Oh mon dieu. Attends, je vais juste montrer. C'est dégoûtant. Franchement, c'est horrible. Voilà, voilà. Alors, je sais pas si le point a été fait, on s'en fiche, horrible. Mais bon. Horrible. Oh mon dieu, mon dieu, c'est dégueulasse. Horrible. Ça m'a piqué. Sans. Arrête, arrête. Ça pue, c'est horrible. Remets un peu de sirop quand même, s'il te plaît. Tu veux juste un peu de sirop. Tu peux, histoire d'adoucir le truc. Je peux pas, là. Ah ouais, une gorgée. Ouais. Ok. Allez, vas-y. Putain, sans. Ah non, 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 arrête, arrête. Ok. Vas-y, vas-y. Ah, ah, c'est horrible. Ah, ah, c'est dégueulasse. Bon, bah voilà. Je crois que le challenge est terminé. Bon, en tout cas, je suis témoin. Il a vraiment bu. Il a bu une gorgée. Je crois qu'il a été vomir. En tout cas, bah voilà. Ah, c'est dégueulasse. Ça lui apprendra à vouloir me mettre des challenges. Non, on perd. On perd avec moi. Voilà. Et bah écoutez, c'était un super challenge. Est-ce que tu viens de dire quand même au revoir ou t'es parti? Il pleure, non voilà, il pleure. C'est un garçon sensible, très sensible. Bon ben, en tout cas, moi je vous fais plein de bisous. Et puis peut-être un prochain challenge hein, si Kevin veut encore se confronter à moi, on sait jamais. Des bisous tout le monde. Salut. C'est bien. En fait, Joanne, il a. En fait, il faut. On vous ment pas. On enregistre ça à chaque fin d'émission, chaque fin de direct, de vrai direct, pas comme oui. Aujourd'hui avec un bug du WeTransfer. On est vraiment en direct, mais bon, c'est juste. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est juste enregistré. C'est vrai. C'est les conditions du direct, comme dirait Nagui dans Taratata. Exactement. Et Joanne, il nous demande de faire ça quand on est vraiment fatigué oui. En fin de direct. Et donc ça donne ça. Ça serait sympa que vous mangiez du wasabi, de l'harissa et tout. Et nous, on dit oui, super. Alors, tant qu'on a notre ami DJ G-Lo sous la main, est-ce qu'on ferait pas un autre petit challenge? Ah si, on va faire un dernier petit challenge. Bon, on est soft, hein. Franchement, aujourd'hui, je trouve qu'on est particulièrement gentil quand même. Hein. Ça cache quelque chose, mais c'est parce que t'es malade, c'est pour ça. Un petit peu, ouais, un petit peu malade. Ça doit être ça. Alors du coup, on va faire un challenge. Donc, le but, c'est de faire des associations d'idées. Donc, par exemple, je dis le mot pomme. Toi, tu dis poire. Voilà, et toi? Abricot. Voilà, et orange. Nu. Nu, très bien. Et voilà, et en gros, il faut dire le plus de mots d'accord. Possible. Et celui qui hésite, il va se coller. Je dis nu parce que peau d'orange, donc peau. Oui, bah, bien sûr, oui, c'est ça. On sait que t'es un pervers, oui. Ouais, ouais. Hein, et en fait, donc celui qui perd et qui hésite, il devra se mettre. Tu veux remettre ta lentille, c'est ça, là? Mais quoi? Tu voulais remettre ta lentille, c'est mais ça? Mais non, mais j'ai pas de lentille. Ah, pardon, tu voulais expliquer. Je voulais expliquer. Ah mais non, mais il va pas bien, il a de la fièvre en plus. Mais écoute, je vais faire ça, je sais pas. Alors, parce que je voulais expliquer qu'en gros, si tu m'avais laissé parler, j'aurais expliqué. Mais je te laisse parler. Donc si on perd et si on hésite trop longtemps, on devra prendre un bout de scotch qui devra se trouver par là et se le coller sur le visage. Donc là, on se colle le sourcil. Très bien. En gros, ou le sourcil. Allez. Ou la paupière. D'accord. Ou la lèvre ou le nez.
tout ce que on peut dire le mot qu'on veut ou faut que ça reste dans le thème quand même? Bah, il faut que, en gros, il y ait un rapport avec, ce que, avec le mot d'avant, quoi. D'accord. Parce que si tu me dis pyramide alors que je viens de te dire... Mais ça se trouve, on peut très bien gagner ce challenge et ne pas se mettre de scotch si on est tous bons. Ouais. On fait durer ça combien de temps? Une minute? Ouais, ok. Le plus vite possible, une minute. Si on gagne, on gagne. Attends, on a déjà fait les challenges. Ok, je suis à fond là. Alors, 1, 2, 3, go. Je commence, musique. Quoi? Musique. Piano. Véronique Sanson. Pascal Obispo. Bruel. Joe Dassin. Ah, c'est moi là? Ah, pardon. Trop tard! Bout de scotch. Elle a trop tard. Bout de scotch, bout de scotch. Scotch, s'il y a du scotch. On va demander à Sidonie, notre assistant, de nous. Tu viens de la réveiller là. Tu me mets des noms de vieux aussi. Des noms de vieux? Des noms de vieux. Non, il a raison. Il a le droit à notre. Attends, ok. Le temps que Sidonie trouve le scotch. J'ai pas 50 ans, moi. Le temps que Sidonie trouve le scotch. On a le droit à 30 secondes sans s'arrêter. Attention, 3, 2, 1, go. Cinéma. Cinéma. Film. Écran. Noir. Réalisateur. Top. Un bout de scotch pour Nina. Un bout de scotch pour Nina que je vais chercher immédiatement. Merci beaucoup. Ah non, mais pourquoi noir? Non. Mais non, mais t'inquiète pas, ma chérie, je vais pas le mettre sur les yeux. Mais je vais jamais te la mettre sur les yeux. Je suis pas Johan, moi. Mais non, mais y a pas transparent. Non, regarde. Hop. Mais y a pas d'intérêt. Mais si. Enfin, et ça colle pas en plus. Ah non. Mais c'est pas. Arrête, pour l'enlever là en fait. Alors attention, 3, 2, 1, écran. Mais on vient de le dire. Mais j'enchaîne. 1, 2, 3, écran. Gulive. Émission. Bug. Live. Top. Non. J'ai dit un truc. Oh non. Arrête. Allez, on essaye une dernière fois, 30 secondes. 3, 2. Comment ça? Je peux commencer? C'est moi qui commence. Ciel. Bleu. Oiseau. Arc-en-ciel. Rainbow. Nuage. Oiseau. Blanc. Bleu. Nuage. Couleur. Rouge. Top. En vert. Non, la pauvre. Arrête. Et alors, sur cette jolie tête de Nina, on va encore une fois s'excuser que le live n'ait pas été en live et que vous le regardiez en ce moment, ce soir, en replay. Moi, je vous donne rendez-vous samedi. Joanne, il sera encore à la montagne, qu'on sera entre nous samedi. Donc, les places de soir, c'est moi qui vous les fera gagner samedi, j'espère. J'attends l'accord de Joanne. Ou ça doit faire mal. On va remercier notre ami. Ouais. Le live, il est disponible, vous pouvez le regarder. On va extraire le live, vous pourrez le découvrir en entier également. Tu peux rappeler aussi... Snapchat, Instagram, Facebook. JLOW, un page Facebook. Et si vous voulez, facebook.com/JLOW officiel, YouTube. .com/JLOW officiel. Et pour s'abonner à la page YouTube de notre ami, c'est ici. On va te remercier. Oui. Merci à vous malgré ce bug technique. Je te maudis, mais alors là. Et merci à tous ceux qui ont regardé l'émission en replay. On lit tous vos commentaires. Merci d'être venus ce soir. Merci à vous. Et à samedi. Regardez. Plein de bisous.